In this lesson we will see together two words that are written differently but pronounced the same way moi moi So let's start with the first one moi and we will have two examples Ma sœur et moi et mon passé du temps ensemble À discuter et à rire. Ma sœur et moi et mon passé du temps ensemble à discuter et à rire. So, in that situation, as we can see, it's a pronom personnel tonique here. Moi, let's have a look at the second example. Moi, je préfère le chocolat noir plutôt que le chocolat au lait moi je préfère le chocolat noir plutôt que le chocolat au lait so remember that in that case we just use it to emphasize uh, moi and then after that we continue with le pronom personnel sujet so let's have a look at the second one moi and we have two examples le bébé a fêté son premier anniversaire il y a quelques mois à peine. Le bébé a fêté son premier anniversaire. Il y a quelques mois à peine. So here, as you can see, moi, it's the plural form of un mois. So it's quelques mois, des mois, but then we don't pronounce the final S. So that's the reason why you end up with the same phonetical uh, well form. nous avons prévu de voyager en europe dans quelques mois pour nos vacances d'été nous avons prévu de voyager en europe dans quelques mois pour nos vacances d'été same form here you get the plural form of mois So, one more time, pronoun personnel tonic moi, and then the noun des moi, or then it could be the singular form un moi.